Allez-y, ceux qui sont prêts, que ça soit Baxter, que ça soit HP, que ça soit Renault, que ça soit Dassault, eh bien allez-y, prenez place. Notre photographe officiel est présent. Bonjour. Alors allez-y, souriez, c'est un moment important pour vous. Je pense que quand on est un acteur dans le domaine de la santé, ce qui est le cas de notre société, on a à la fois des envies et puis aussi des fois des devoirs. Et je pense que le projet que Olivier Couster, au travers de Transform, nous a proposé correspondait exactement à cela. D'abord, une aventure humaine pour une cause, je pense, qui est importante parce qu'il faut sensibiliser le grand public à cela. Et pour sensibiliser le grand public, il faut aussi déjà, au sein des sociétés, qui sont des micro-sociétés, pouvoir aussi sensibiliser les gens à cette problématique du don d'organes. Je pense que c'est à travers ce genre de projet qu'on arrive aussi à créer des esprits d'équipe importants, une solidarité entre les gens, au-delà d'uniquement l'aspect professionnel, ça permet de révéler aussi des aspects humains et des engagements personnels des individus. Soyez libre en donnant vos organes. L'important pour lui, c'est de donner avec le cœur et pour lui, la solution de la pénurie d'organes, c'est que les gens soient humains. Besoin de donneurs, quand peu à peu la vie s'évade, évitez la dégringolade. Besoin de ferveur, besoin de donneurs. C'est encore ça qui bride les greffes, c'est qu'il n'y a pas assez de dons. Non pas que les gens ne sont contre, mais parce qu'ils ne sont pas suffisamment avertis pour en parler autour d'eux et pour prendre une carte de donneur d'organes, quoi. Mais des manifestations comme ça sont magnifiques parce que tout le long de la course, sur tout le trajet, eh bien, tout le monde va être mobilisé, spécialement les enfants des écoles. Et ça, c'est formidable parce qu'ils vont en parler chez eux, en famille et tout. Et ça va permettre de sauver encore des gens. On n'est pas là pour faire des chronos, mais pour courir avec les greffés, de souffrir avec eux, parce que ce que font les greffés en course à pied, c'est impressionnant. Et donc, s'éclater surtout avec les 15 autres partenaires. Merci Yannick de votre présence. La course du cœur. C'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de chaleur et beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Je trouvais que c'était une bonne idée comme ça, sensibiliser un petit peu les gens sur les dons d'organes à travers une course. Je pense que le sport, ça, dans ce cas, ça peut aider justement à sensibiliser les gens. Je trouve que c'est bien. Je voudrais remercier nos personnalités. C'est important pour nous. Il y a des visages connus. Et ça donne une audience. Allez-y, ceux qui sont prêts, que ça soit Baxter, que ça soit HP, que ça soit Renault, que ça soit Dassault, eh bien allez-y, prenez place. Notre photographe officiel est présent. Bonjour. Alors allez-y, souriez, c'est un moment important pour vous. Je pense que quand on est un acteur dans le domaine de la santé, ce qui est le cas de notre société, on a à la fois des envies et puis aussi des fois des devoirs. Et je pense que le projet que Olivier Couster, au travers de Transform, nous a proposé correspondait exactement à cela. D'abord, une aventure humaine pour une cause, je pense, qui est importante parce qu'il faut sensibiliser le grand public à cela. Et pour sensibiliser le grand public, il faut aussi déjà, au sein des sociétés, qui sont des micro-sociétés, pouvoir aussi sensibiliser les gens à cette problématique du don d'organes. Je pense que c'est à travers ce genre de projet qu'on arrive aussi à créer des esprits d'équipe importants, une solidarité entre les gens, au-delà d'uniquement l'aspect professionnel, ça permet de révéler aussi des aspects humains et des engagements personnels des individus.
Soyez libre en donnant vos organes. L'important pour lui, c'est de donner avec le cœur et pour lui, la solution de la pénurie d'organes, c'est de, que les gens soient humains. Besoin de donneurs, quand peu à peu la vie s'évade, éviter la dégringolade. Besoin de ferveur, besoin de donneurs. C'est encore ça qui bride les greffes, c'est qu'il n'y a pas assez de dons. Non pas que les gens ne sont contre, mais parce qu'ils ne sont pas suffisamment avertis pour en parler autour d'eux et pour prendre une carte de donneur d'organes, quoi. Mais des manifestations comme ça sont magnifiques parce que tout le long de la course, sur tout le trajet, eh bien, tout le monde va être mobilisé, spécialement les enfants des écoles. Et ça, c'est formidable parce qu'ils vont en parler chez eux, en famille et tout. Et ça va permettre de sauver encore des gens. On n'est pas là pour faire des chronos, mais pour courir avec les greffés, de souffrir avec eux, parce que ce que font les greffés en course à pied, c'est impressionnant. Et donc, s'éclater surtout avec les 15 autres partenaires. Merci Yannick de votre présence. La course du cœur. C'est vraiment avec beaucoup, beaucoup de chaleur et beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Je trouvais que c'était une bonne idée comme ça, sensibiliser un petit peu les gens sur les dons d'organes à travers une course. Je pense que le sport, ça, dans ce cas, ça peut aider justement à sensibiliser les gens. Je trouve que c'était bien. Je voudrais remercier nos personnalités. C'est important pour nous. Il y a des visages connus. Et ça donne une audience importante à notre course parce qu'on a des médias. Je suis très sensible au don d'organes. Le don d'organes, c'est la vie qui continue. Et puis, je trouve cette course, ce challenge, ce défi, très intéressant. Et si on peut encore sensibiliser les gens au don d'organes et sauver des vies, je crois que c'est ça le plus important dans cette course. C'est une soirée très importante pour nous. Vous savez qu'en France, en 2008, on a fait 4600 greffes. C'est beaucoup, mais ça n'est pas assez. On aurait besoin de 13 000 greffes parce qu'il y a 13 000 personnes en attente de greffe. En effet, la greffe, il faut le savoir, c'est une thérapeutique qui marche, qui sauve les gens, qui leur rend une vie normale, une vie d'homme libre, dégagé de la maladie. Ils peuvent se donner pleinement à leur vie familiale et professionnelle. Et comme ce soir, nous le fêtons, à leur vie sportive aussi. Nous, on est là pour montrer que la greffe, ça marche. Je crois qu'on est une société aujourd'hui qui a tendance à remettre en cause notre système de solidarité. Et la greffe, c'est le système de solidarité ultime. Nous sommes 10 greffés, plus 2 jokers cette année. Greffés du rein, greffés du foie, greffés du cœur et greffés des poumons. On a un greffé des poumons cette année. Alors là, vous avez une équipe, regardez, rien que quand on les regarde, ça fout un peu la trouille déjà. Hein. On sent qu'ils sont affûtés, on sent qu'ils sont... Ils piaffent, regarde. Vous avez des directeurs généraux dans le groupe là, hein. Ils sont où là? Hey, monsieur le vice-président, venez, mettez-vous en première ligne. Alors, vous avez quitté votre bureau et vous êtes là en tenue pour accompagner votre équipe. Non, c'est juste pour les soutenir pour le prologue. Pour qu'ils prennent un bon départ, je vais être sûr qu'ils partent. Nous, on aimerait bien être sûr qu'ils arrivent aussi. Hein. Ça m'a toujours sensibilisé, j'ai toujours été intéressé par cette performance d'avoir greffé des organes. C'est un miracle. Quelqu'un s'en va en laissant la place à une autre personne. Et je trouve que c'est vraiment d'une générosité phénoménale. Mais je pense que ces courses, comme celle qui est organisée en ce moment, sont quand même les témoignages que ça marche et qu'on va, donner quelque chose, on va donner la vie à quelqu'un. Et ça, c'est quand même la chose la plus formidable qui soit au monde. Allez, greffez, venez faire une photo. Allez, les greffés, là. Il faudrait faire une photo avec Mireille, là. Voilà. Les greffés, venez faire une photo avec Mireille, là. Voilà. Les greffés, ils sont en bleu, là. Voilà. Venez devant, venez avec Mireille, voilà. On va partir à Trans. Je préfère faire partir la course à l'heure, parce que les forfaits à Courchevel ne sont pas prêts.
Donc on partira à 21h30, on ne prend pas d'avance. C'est un formidable cri d'espoir, de confiance dans le don de soi, dans le don de vie dont le Premier ministre a décidé de faire la grande cause nationale en 2009. D'organes, dont de sang, de plaquettes, de moelle osseuse. Et puis, c'est aussi la réhabilitation à travers l'association Transforme, la réhabilitation de la santé par l'exercice physique, l'exercice sportif. Donc la ministre de la Santé et des Sports, devant cette réconciliation, cette conciliation de la santé et du sport qui se rejoignent pour multiplier leurs efforts, pour multiplier leurs résultats, leurs succès, bah, elle est très heureuse d'être là. Je suis très heureuse d'être là. Papa, il t'a donné des jambes, c'est bon, cours. Alors cours. Maintenant, je cours. Salut. Besoin de ferveur, besoin de teneur.